Moi, j'ai toujours aimé les vaches. Je peux pas dire pourquoi. J'ai pas grandi avec des vaches, loin de là. Moi, j'étais aussi toujours en bord de ville. Et pour moi, c'était depuis toute petite, c'était clair que j'allais faire vétérinaire puis que j'allais faire pour les vaches. Les autres races, on les sort, ils restent debout, ils marchent un petit moment comme ça, puis c'est tout. Il y a des fois une ou l'autre qui est plus attachante comme ça. C'est vrai aussi un peu une que j'ai dû donner un coup de main pour vêler ou bien un truc comme ça. Déjà aussi, je les reconnais plus facilement. Je ne suis pas très bonne pour reconnaître les bêtes comme ça dans un troupeau. Mais bon, j'en vois quand même beaucoup. Alors, c'est difficile à vraiment dire. On s'attache à une. Toutes les vaches que je traite, j'essaie de les traiter la même chose. Et puis après, c'est le propriétaire qui fait la différence. C'est important, ça, oui. De connaître les gens, pas juste venir et puis faire 3 piqûres et repartir, je trouve. C'est vraiment de bâtir une relation avec les propriétaires. C'est pour ça, moi, je ne pourrais pas faire les petits animaux, parce qu'on n'a jamais cette relation qu'on a là. Comme moi, je dis toujours, c'est comme si j'étais une vache en plus dans chaque écurie, parce que je connais tout le monde, je connais la famille et tout ça, puis ça, c'est important. Moi, ouais, c'est pas les sorties hivernales tranquilles des blanches. Hein. Pas tout à fait. Hein. Doucement, toi. Hein. Oh, oh. Julie, on prend le téléphone, à 6h, à 8h le soir, à 10h, minuit, elle répond toujours. Même des fois, on entend qu'elle est bien fatiguée, mais ça fait rien, elle répond quand même. Alors, ça, c'est vrai qu'on a de la chance, et puis comme moi, je suis pas à une grande distance de elle, en 10 minutes, un quart d'heure, elle est là. La race d'airain, bon, moi, je la trouve spécialement attachante et puis facile. Après, c'est tout le contexte. Ici, les vaches font pratiquement partie de la famille. Des fois, des grandes étapes, ils ont peut-être encore des noms, mais ils ne font pas partie de la vie comme ici. Bonjour Julie, ça va? Bien, puis toi? Oui, bien. Merci. Toi, t'as froid. Oui, ça froid, ce matin. Ah ouais, c'est déjà tout beau. Hein. C'est pas pour l'an. On va déjà voir si on pique vraiment ou bien. Mais on va. Tu regardes. Je regarde. Non. On regarde et puis après mal, on décide. Oui. Elle a déjà fait combien de veaux? Elle pose le troisième. Bon, alors là, c'est tout en ordre. Ouais, le col, il se défait. Mais comme ça, on... Voilà, j'ai la tête. Alors, il y a un mois à placer. Pour le moment, il est placé comme il faut. Pas comme l'année passée. Non. Alors là, c'est bon. Mais je pense qu'on la pique quand même. Tu la piques quand même. Voilà. Ça, ça fait quand même assez de temps. Ouais. Alors, comme ça, je préfère. D'accord. Ouais. Oui, c'est voilà. Bon. Tourne. Voilà, comme ça. Alors, je peux attendre, mais bon, je pense vraiment que c'est dans fin d'après-midi, comme ouais. Ça. Voilà. Ça marche. Alors, tip-top. Tip-top. Salut. Salut. Ça va? Oui, bien, et toi? Oui. Adieu. J'ai jamais lutté parce que j'étais une femme pour être vétérinaire. La seule chose qui était compliquée, c'est que j'avais l'air très jeune. Et puis, ils m'ont tous dit, mais t'as pas 20 ans, tu peux pas être vétérinaire. Et pourtant, j'avais 26 ans. Mais justement, le fait que je sois femme, ça a jamais rien fait. Je pense que j'ai un peu fait mes preuves. Et puis aussi le fait de pas venir d'ici, parce qu'on est quand même au Valais. Mais non, ça, c'était l'âge. C'est plus ça qui était handicapant. Allez. Que tout le reste. C'est tout, c'est tout.
Oui, oui, c'est pour ton bien, là. Voilà. Non, tout va bien. Attention. Le veau, il est assez en haut, là. Ça, il doit venir en avant, normalement. Il me semble que je sens la tête, là. Alors, ça, c'est bon. Voilà. Alors, je pense qu'elle ne va pas aller les 30 heures, parce qu'il me semble que c'est déjà bien relâché ici, hein. Voilà, quoi. Oui, on fait souvent comme ça, hein. Oui, voilà. Mais oui, parce que là, on sent, y a, ici, c'est tout mou. Et puis ici, bah, c'est beaucoup plus raide, là. Alors, et puis ça, ça vient tout mou, juste avant le vélage. Ouais. Alors, on va piquer. J'avais un autre regard, peut-être un peu plus doux. Et puis aussi un truc dans les vélages, quand le veau, il sort, je lui souhaite toujours la bienvenue au monde. Et puis après, je me lève, je le caresse bien, que j'ai l'odeur du veau dans mes mains. Et puis je vais vers la vache, je laisse lécher mes mains. Et puis je la félicite aussi. Puis je dis, t'as bien travaillé et tout ça. Et puis au début, ils me regardaient, mais c'était folle, toi. Puis ils font pratiquement tous la même chose maintenant. Alors, bon, pas tous, mais le regard, il a changé. Et puis ça, je pense, ça, c'est un truc que j'ai amené moi, ouais. Alors j'ai tout gardé, tous les médicaments que j'ai achetés, tout ça, ouais, c'est tout dedans. On pourrait le jeter après 10 ans, mais j'ai jamais fait. Moi, je suis beaucoup émotionnelle, un peu comme ça. S'il y a un truc qui me plaît, voilà, il me le faut. Comme le poster, c'est un bête poster, quoi. Mais voilà, je le veux, je l'ai. Et j'ai des coups de cœur comme ça. Si j'ai un coup de cœur, j'ai un coup de cœur. C'est comme pour les gens. J'aime les gens, je les aime pas. J'ai pas du entre-deux. Mais si j'aime une fois une personne, ben, je l'aime pour toujours, quoi. Je pense que c'est une très mauvaise idée d'adorer les animaux quand on est vétérinaire. Parce que quand on est vétérinaire, on leur fait du mal. Bon, souvent, on les voit en souffrance déjà. Mais des fois, on n'a pas le choix. Ben, faire une piqûre, c'est agréable pour personne. Souvent, on ne fait pas qu'une, on fait deux, trois. Parce qu'il y a beaucoup moins de comprimés, c'est beaucoup plus compliqué à donner. Alors, on pique. Alors, si on adore un animal, je pense qu'on n'arrive pas à se détacher comme ça. Voilà, on est prêt. Ah, mais bien en arrière. Oui, bien sur toi et en arrière. Ouais. Comment elle est passée? Comment elle est passée? Voilà, là on a les deux pieds. Oui, tu peux venir s'il te plaît. C'est la mère? Viens s'il te plaît. Je dois aller vite, venez, Yvan. Bon, ciao. Bon, alors, je parle là, tu vois, c'est bon, ciao. Allez, vas-y, ma belle, pousse. Vas-y, allez, hop. On bien souffrir quand même, pour être belle. Mais bon, ça. Il n'y en a pas. Si, si. Et c'est toutes les années, hein, ce bordel. Il coince, hein. Ah, mais... Qui va pas venir? Bon, écoute, on essaye encore un moment, mais... N'aille pas. Pourquoi? La bétaillère? Prends la bétaillère, ouais. Si, prends pas pour rien, il prend pas pour rien, quoi, mais... Ouais. Même si on n'a pas besoin. Ah, c'est libre. D'accord. Ouais, fois, merci, c'est... ciao, ciao. Une fois, c'est bien. C'est... Oh là 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 là, hein?
on va te sortir ton veau. Hein. Et oui. Oui, bonjour, sortir. C'est Julie Deleuze, la vétérinaire Nanda qui téléphone. En fait, j'ai une césarienne pour une vache. Puis je voulais voir si on pouvait l'amener chez vous parce que voilà. Oui, c'est sympa. Merci beaucoup. Hein. Merci. Au revoir. Je suis désolée, mais j'y peux rien. Les miracles, même à Londres, ils font pas. Hein. Pour être vétérinaire, je pense qu'il faut une certaine distance par rapport à l'animal pour déjà évaluer la situation de tête froide et puis pas se laisser emporter ni par ses propres émotions ni par les émotions du propriétaire éventuellement. Il faut vraiment avoir l'animal en ligne de mire et puis vraiment regarder pour son bien. Comme vétérinaire de campagne, on est toujours en route. Alors moi, j'ai un assez grand secteur. Au début, quand j'ai commencé à travailler, c'était assez restreint. C'était vraiment sur Nanda Isar Absalins. Et vu que d'autres vétérinaires, après, ils ont arrêté de faire la campagne, bah, il y avait des paysans qui avaient besoin de vétérinaires. Alors j'ai commencé à aller un bout plus loin. Mais s'il ne boit pas, il va se déshydrater. Puis là, tu le perds, quoi. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Oui, justement. Oui, justement. En tout, je roule entre 30 et 35 000 km par année. Mm-hmm. Mais il ne faut pas s'imaginer d'accord, que c'est de l'autoroute. Quoi. C'est beaucoup des petits chemins, beaucoup de mauvais chemins, où on doit changer les roues tout seul parce qu'il n'y a personne passant qui va passer. Alors on apprend vite à changer les roues. Et l'été, en principe, c'est 1000 km par semaine. Les gens, ils me considèrent hyperactif, presque plus que ça, mais il y a tellement de choses qui doivent être faites, et puis il n'y a personne qui va les faire, alors je les fais. Voilà. Et puis j'aime bien bouger, j'aime bien vivre à plein. Quoi. Ça, c'est une que toi, t'as élevée, ou bien ouais. Est-ce que tu sais si t'as mis un aimant? Non, j'ai jamais mis. Jamais mis, d'accord. Les animaux que moi je traite, ils sont destinés à la boucherie à la fin. Mais ils ont une longue vie avant et puis on essaye de la ouais, de faire qu'il y a le moins de souffrance jusque-là. En tout cas, ici dans la région, dans les petites étapes que moi je m'en occupe, je pense qu'ils ont quand même une belle vie. Mais oui, on fait qu'écouter ton ventre. Hein? Oui, t'es brave. Moi, je penche quand même pour le corps étranger, quoi. Avec la température qu'elle a, je vais quand même mettre des antibiotiques, si ça va pour toi, pour jusqu'à la fin, quoi. Voilà. Ouais. Alors, comme ça. Alors, je vais chercher tout ça. Ouais. Quand j'ouvre le coffre, là, ici, dans la caisse, là, c'est vraiment le matériel. J'ai besoin de tous les jours, thermomètre, stéthoscope, les gants. C'est ça où j'ai pratiquement toujours besoin, avec les seringues et tout ça. C'est un cabinet ambulant. Je dis toujours, c'est un hôpital, une pharmacie. Après, c'est une armoire d'habits, parce qu'il faut toujours avoir assez d'habits pour se changer. Et j'ai toujours à manger, à boire. Parce que quand je pars, je ne sais pas quand je rentre. Papa, pendant les vacances, une fois, il a pu aller faire de la voile. Il a trouvé ça, c'était cool. Alors, il nous a tous inscrits à l'école de voile sur le lac de Thun. Vu que mon papa, il voulait continuer et puis faire le permis mer, je l'ai accompagné. J'étais jusqu'à chef de bord. J'ai horriblement le mal de mer. Alors, je me réjouissais de partir faire de la voile. Et puis, dès que j'étais sur le bateau, je me réjouissais tellement d'être nouveau à la maison, quoi. J'étais très timide quand j'étais petite, puis je sais pas, ça a changé. Je pense aussi en devenant plus âgée, ou je sais pas, en tout cas j'ai pris de l'assurance, et puis maintenant je suis un peu
la chef un peu partout, à la maison en tout cas. Mais oui. Pour faire de la varap, ils étaient toujours contents quand j'étais avec eux parce que moi j'attire un peu tous les malheurs. Alors si quelqu'un devait tomber ou ramasser un caillou sur la tête ou se faire du mal autrement, c'était toujours moi. Alors eux, ils étaient épargnés. Alors, bon, je dis ça un peu pour rire, oui. C'était un peu quand même comme ça. Mais en tout cas, c'est tous des bons souvenirs. Et puis, je suis contente que j'ai tout fait ça avant d'être mariée. Pour moi, c'était clair, une fois que je serais vétérinaire, ben, ça prend énormément de temps et puis que j'aurais plus le temps de rien faire, quoi. Tout ce qui est la pâtisserie, des gâteaux, bon, ça, je fais toute l'année. Et c'est un genre vraiment de détente. Alors, moi, j'ai du plaisir à le faire. Et puis, je fais toujours plaisir aux gens qui vont manger après tout ça. Je fais des biscuits pour nous, mais je fais aussi des biscuits pour des personnes âgées ou personnes seules. Je leur ramène un pot de confiture et puis quelques biscuits. Et puis, on boit un café. Et puis, j'essaie toujours... de rester un moment avec eux aussi et puis parler. On devait faire ça toute l'année. La cloche, là, c'est la première fois que je fais cette année. En fait, c'est les formes de biscuits de ma maman, mais qui est décédée au mois de juillet. Et puis, alors, quand on a vidé la maison, moi, je les ai pris. Et puis, voilà, c'est un peu un hommage à elle. Voilà, qu'on fait ceux-là cette année. Et puis, les années suivantes. Non. Tu vas m'aider à mettre la table, alors. Ma maman, si je devais la décrire en trois choses, je pense que, le premier truc, c'est positif, parce qu'elle a toujours le sourire, elle essaye toujours d'être de bonne humeur. Après, je dirais déterminée, parce que quand elle a quelque chose dans la tête, il faut le faire. Mais voilà, ça peut être un défaut comme une qualité, mais je la vois plus comme une qualité. Puis après, je dirais que la gamme est un peu folle. Papa avait décidé qu'on laisse là la table pour racler parce que c'est trop serré autrement. Elle a toujours vécu à 110%. Elle dit oui à tout, elle veut faire plein de choses en même temps. Elle essaie d'être partout. Les week-ends sont rares de libre. Maintenant, un peu plus. Je trouve qu'elle... peut-être qu'ils ont une autre organisation, mais maintenant, je trouve qu'elle a quand même... lâcher un petit peu le boulot en disant que non, il fallait quand même prendre un peu plus de temps pour elle. Il racle un peu assez bien. Ouais, mais il est... Je suis partie de Bâle pour faire des études. J'avais déjà dit à mes parents, de toute façon, je ne reviens pas à Bâle pour travailler. Il n'y a pas assez de vaches. Pas... voilà. J'ai atterri en Valais un peu par hasard. Pendant mes études, j'avais visité un petit institut de recherche d'un de mes cousins. Et puis, il m'avait toujours dit, mais tu viendras et tu feras un doctorat et tu viendras bosser en Valais. Et puis, bon, j'aime bien mon cousin. Alors, je dis, oui, un doctorat, pourquoi faire? J'ai jamais fait de doctorat. Par contre, je suis restée en Valais. Je suis venue pour 2 ans. Puis, ça fait passer 30 ans que je suis là. Voilà. Non, ouais, laisse-le comme ça. Je suis restée en Valais pour finir, oui, parce que j'ai connu mon mari. Ça va faire 29 ans. Mon mari élève des vaches, c'est comme ça qu'on s'est connus. Parce qu'au début, quand je suis arrivée là, ils envoyaient toujours les assistants faire les prises de sang. Moi, je piquais, puis c'était Christian qui tenait les vaches ici sur la commune de Nanda. Voilà, et comme les autres.
Alors, 216-09-55. Alors, 122-216-09-24. 09-24? Ouais. Alors, en fait, aujourd'hui, ces prises de sang, on les fait dans un cadre d'éradication de maladies. On veut éliminer ou être sûr, en fait, que de l'exploitation ici, on n'a pas la pseudotuberculose, qui est une maladie contagieuse, et puis que plusieurs éleveurs, ils essayent d'éliminer. Voilà, on est plus... Ah oui, c'est facile avec les couleurs. Il faut que, surtout que les animaux, ils restent calmes. Souvent, ils ne nous connaissent pas. Et puis, dès qu'il y a une personne en plus dans un troupeau, en principe, ils sentent tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. Alors, on essaie de bouger lentement, de ne pas faire de bruit, de parler normalement. J'essaie de ne pas mettre des blouses. Je m'habille normalement, comme ça, ça leur fait moins peur. Mais il faut rester calme et puis pas s'énerver, parce que c'est contre-productif. Eux, ils vont s'énerver et puis après, c'est tout, quoi. Ouais. Si tu tires là-dessus, toi, ça me fait le garrot, et puis il n'y a plus le sang qui passe. C'est un animal sympathique. Moi, j'adore les chèvres, oui. Oui. Puis c'est bien, c'est à ma taille, c'est sympa. Moi, j'aime bien, quoi. C'est vrai, des fois, selon des vaches qui sont hautes comme ça, ben, je suis plus à l'aise autour des chèvres. Ouais. Non, non. Surtout la relation aussi humaine, quoi, disons, dans le sourire. Et... mais professionnellement, oui. La disponibilité, quoi. À travers le sourire, c'est la disponibilité de la personne. Quoi. En fait, je prends assez souvent le temps de boire le café avec les gens. Comme ça, voilà, je m'assieds un moment et puis on discute et puis ça fait du bien à tout le monde. C'est une question d'humanité, oui, d'être là pour eux. Je fais ce métier de vétérinaire pour soigner les animaux, mais c'est aussi pour voir l'humain derrière. Pas juste l'animal. Les nouvelles poules. Ouais. Ah bah oui. Viens ici, toi. C'est Rada. C'est Rada, hein? Ouais, c'est Rada. Tu sais que c'est devenu chef de clan? Oh, voilà. C'est madame qui commande. Bah, ça, c'est... Oui. La bon, plus ça, jeune. Bah, voilà. Ça, c'est fait. Ouais, c'est bien. On va glisser. Ouais, tu fais attention quand même. Oui, oui. Comme ça. Voilà, merci beaucoup. Comme ça, je peux fermer, là. Tip top. Je suis curieuse de voir comment ça va les deux là. Ouais, tip top en tout cas. Ah bah je suis contente. Ouais, je crois qu'on a pris la bonne décision. Ah, oh, il essaye de se lever. Ah oui. Ah bah tout le monde il arrive à se lever. Oh presque. Ouais. Bon c'est clair, les pattes sont encore un peu, mais ça avec voilà. Plus il va rester debout, plus bien. ça va s'améliorer. Bien ici. Voilà. Il est vraiment vraiment beau. Hein. Le jour que j'arrête de travailler, je ne voudrais pas laisser mes clients dans la main de n'importe quel vétérinaire. Parce que la plupart de mes clients, c'est devenu des amis. Et puis, je ne voudrais pas les laisser avec quelqu'un qui n'a pas un petit peu mon point de vue. Quoi, qui vient, je dis, moi, je suis le vétérinaire. Et puis, comme ça, alors ça, voilà, j'essaie d'éviter. Voilà. Mais c'est vraiment joli, hein. C'est pas ni chaud, ni boursouflé. Vraiment, c'est nickel. C'est clair, il faut une certaine taille, hein, pour sortir. Oh. Quand on voit le veau, là, il faut quand même... Ouais, mais c'est vraiment joli. Les agriculteurs vieillissent en même temps que moi, quoi. Et puis, il y a très peu de relève des jeunes. Alors, est-ce qu'on va tous mourir en même temps, ou disons, arrêter en même temps? Ça, c'est aussi une possibilité. Mais je pense pas.
Il y aura voilà, il y aura toujours des vaches quand même, et puis il faudra trouver quelqu'un qui, j'espère, un peu le même amour que moi. 3 heures de temps, j'ai pas arrêté, j'étais tout le temps à côté de la vache, à la cajoler, à la gratter. Ouais, ouais. Mais c'est bien, c'est important. Super. Bien. Alors, à la prochaine. Hein. Ciao. Merci beaucoup. Julie. Mais il y a pas de quoi. Et puis à plus. Hein. À bientôt. Merci. Ouais. Ciao. Adieu, bonne journée. Hein. Merci. Ciao. Merci, hein.